Et bonjour à toutes et à tous, c'est Komaguru, j'espère que vous allez bien. Bon, j'ai lancé quelques vaisseaux, j'ai fait suite à la vidéo de la semaine dernière où j'avais plus grand chose à faire à Electra. Donc ce que je viens de faire, c'est que je viens de slotter quelques vaisseaux. On verra bien ce que ça va donner. Et donc, j'ai reçu un message. Alors ça va être qui ? The unfallen seethe and struggle to contain the anger of the heart. Non, je ne vais pas lui répondre, puisque effectivement il m'a détruit un vaisseau. Mais je garde sous le coup. Et prochain, je te massacre. Mais pour le moment, je vais essayer de faire profit bas. Je dois tenir 4 tours. Le temps de ramener mon titan. Et puis surtout, cette quête à la con là. Non mais c'est pas possible. Je suis à 60%. Ici, 87. Donc ça veut dire qu'au prochain, encore 2 tours. Oh, c'est pas possible. Et le pire, c'est que voilà. Ma flotte, elle est toujours là. Elle est toujours pas arrivée dans un lieu. Puisque les 3 autres points de cette quête... Parce que c'est ça, moi, qui est important. Omnipotence et domination, plus 4 niveaux pour chaque héros. Je vous rappelle que il y a 44 héros dans la galaxie. J'en ai 18, les amis. Donc 4 niveaux sur les 18, c'est énorme, hein, parce que j'en ai qui sont... Lui, c'est le dernier. Oui, effectivement, hein, 23. Mais 19, 18... 17, donc il y a vraiment des choses importantes, hein. Passe à 20. Bon, j'en ai 2 qui sont toujours KO. 22 tours et l'autre, hein, il doit rester quoi, 14. Bon. Mais voilà, c'est une quête importante. Et alors 2 sur 5, c'est pas la majorité. C'est pour ça que je suis obligé de ramener une flotte. Bon. À voir si, lorsque celle dans 2 tours est terminée, si je peux récupérer la flotte ou pas. Ouh, il y a eu des messages là. Voilà, canalisation d'antimatière. Cogito ergo boom accompli. Au lieu d'aider les Mavros à se regarder le nombril collectif, construisez un vaisseau de guerre. Oh, et puis flûte, les ancêtres sont morts de toute façon. Les Mavros s'intéressent à l'avenir et au nombre de canons qu'ils peuvent mobiliser pour l'orienter en leur faveur. Récolte gargantuesque. Un fermier à Rochem d'un lointain avant-poste de votre empire a fait une découverte étonnante. Pour des raisons qui restent troubles, mais attribuées putativement à la combinaison des techniques agricoles RHM et de la chimie du sol, leurs récoltes ont connu une croissance prodigieuse. Si l'on pouvait reproduire cet événement sur d'autres planètes, l'Empire pourrait générer des excédents alimentaires massifs. Possédez au moins 16 planètes froides dans votre Empire. Oh mais vous vous emmerdez, mais c'est pas possible. Mais c'est quoi ces quêtes à la débile? Oh. Plus 4 de nourriture par quoi? C'est quoi cette tête? Les planètes stériles pendant 20 tours. Ah ouais, mais le problème c'est que les planètes stériles, j'ai suivi les conseils de quelqu'un qui me les a fait sortir. Donc voilà, il faut que je fasse ça. Fouiller la curiosité de la planète Scorpius 3. En plus, c'est... Vous voyez à quoi il sert lui? Il sert à ça. Ça y est, ils sont passés au style. Or you will feel it. Voilà. L'intérêt d'avoir un explorateur sur chaque système, c'est que hop, la quête est déjà terminée. Voilà. Déjà ? Oh, c'est le pied. C'est le pied. Ah, il reste plus que 8 tours. Et comment ça se fait? Bon, bah tant mieux. Hein. Je croyais qu'il m'en restait 10. Encore. Donc, Columba a sorti le bateau long pour les Mavros. Et dans un tour, la filiale de compagnie commerciale.
Alors, est-ce que je l'ai fait sortir? Je sais même plus. Voilà. Encore 3 tours. Non, mais franchement. Quête est débile. Ah, il est en place. Et hop, mon petit blocage. On va voir si l'autre vient me friter ou pas. Oh bah j'ai 100 000, je crois que je vais pas attendre les 3 tours de l'argosie, les amis. On va ramener le titan. Alors, il est où, lui? Oh là là, encore 2 tours. Oui, j'ai fait venir le mastodonte ici, qui ne peut pas récolter puisque la planète est déjà colonisée. Donc, bah, en dépit, je l'ai amené faire de l'Orichal 6 ici. Le problème, c'est que c'est le cadre Unix dont j'ai besoin et je suis à court. Franchement, à court, là. Et dans mon coin, il n'y a que deux systèmes qu'il y en a. Sauf si je suis bigleux, ce qui peut arriver. Hein. Vous voyez, voilà. J'en ai que 2. Donc, on va faire une chose. Quel est le système le plus près? Ici. 2 tours. Le temps, voilà, je vais le récupérer et puis je vais l'envoyer farmer un peu de partout. Lancer des sondes pour récupérer ce cadre Inix pour pouvoir lancer la seconde merveille. Bon, alors, dans un tour ou pas? Oui, pile 100%. Donc dans un tour, ici ça va être terminé. On va voir si je peux récupérer ma flotte. Mais tes frontières, je sais pas où elles sont tes frontières, t'es gentil. Voilà, la filiale de compagnie commerciale sort à Columba et le portail est créé à Brassia. Bam, allez, en avant. Rapatrions un peu de monde. Donc, c'est lui qui doit se déplacer. J'ai même pas regardé, il fait quoi? Ah ouais, 57 000. Alors, tu restes toujours? Où tu t'en vas? Comment ça me fait, moi, maintenant? C'est correct. Some things in this cosmos we have come to understand. You're not one of them. What do you want? Non, je vais attendre. Je veux les bloquer le plus possible. Alors lui, il va mettre... Alors, par contre, au niveau déplacement, les mastodontes... Bon, il est là, mais... Ah si, il a un point. Est-ce qu'il pourrait se déplacer? Est-ce qu'il pourrait venir ici? Oh... Magnifico! C'est magnifico! Alors, par contre, ouais, vous voyez, il a 11 points, alors que le titan n'en a que 9. Et, ah ouais, mais alors, si les frontières sont fermées, je peux pas y aller. Ah, merde. Bon, ben on va l'envoyer ici. Eh, ces enfoirés, ils ferment leurs frontières, hein. Ils attendent que je leur déclare la guerre. Alors, lui, il est ici. Et hop. Et on l'emmène ici. Bon, je commence à m'y faire. Je commence à m'y faire avec tous ces... Ces titans, ces mastodontes. Combien de tours encore? 5. D'ailleurs, je me souviens jamais. Ah là, c'est 4, c'est ça. 4 planètes, le problème c'est que c'est long entre chaque tir. Bon. Alors, qu'est-ce que... Bon, voilà, tout sort. Tout est tranquille, tout avance. Par contre, je commence à me retrouver sur des systèmes où j'ai plus grand-chose à slotter, les amis. Alors, ça, c'est la petite flotte avec les vaisseaux du début que j'ai fait. Alors, on va la faire comme ça. Et on va la faire comme ça. On peut plutôt
Est-ce qu'on peut... Oui, on peut le mettre. Ah, très bien. Parce que l'idée, c'est d'arriver aussi à bloquer. J'ai pas envie qu'ils viennent m'emmerder, donc... On va voir ça. On va voir ce que ça donne. C'est Zertandus, hein, tout ça. Oh, il y a des panneaux qui vont s'afficher, là. Ouf. Ah oui, c'est ça. Système magnétite détruit Xenis. Ah. Oh, c'est bon, alors. Il peut rentrer? Oui, il peut rentrer. Allez, rentre à la maison, petit garçon. Pouf. Ça, c'est le pied. Bon, parce qu'ici, j'en ai encore pour un petit moment. Voilà, 1 sur 5. Ah, donc il faut que je revienne relancer. Ah, oh, ça me plaît moins. Ça me plaît moins. Alors, voilà, terminer ce corpus. Donc je sais pas du tout ce que je vais faire. Oh, oui, oui. Au secours. J'en ai 41 000 d'influence, je vais pas créer un truc 100% extatique, donc j'ai plus besoin de supermarché, j'ai pas besoin de Steam, j'ai pas besoin de la loterie. Bon, on peut mettre ça pour la défense des lieux. Ah, je peux moderniser. Ah ouais, non, mais si je modernise, je crois que j'ai fait une boulette. Parce que, vous voyez, pour le mode... Oh, il me manque 6 de Cadrinix pour lancer le ministère. 6. Ah, parce qu'en plus, ça prend qu'un tour, ça. Ah bah alors, prochain tour, voilà ce que je vais sous-loter. Aïe. Eh ben, elle est arrivée. Ah non, alors là, je suis pas d'accord du tout. Je ne suis pas... Ah oui. D'accord. Bon. Et combien elle fait? Est-ce qu'on peut sélectionner les deux pour venir leur faire à la fête? Bah, première chose que je vais faire, c'est ça. Voilà, j'en étais sûr. Je savais qu'elle allait me balancer une truc sur la tronche, elle. Bam. Je vous l'ai dit que c'était mal barré. We can shatter time on a whim. You anger us at your peril. Bon, je sais qu'elle va dire non, mais c'est pas grave. A special place in the void awaits you. Ouh, je me suis mis dans une situation. Mais s'il n'y avait pas cette connerie de quête à la con là, en plein milieu, ce serait facile. J'aurais toutes mes armées ici. Il veut dire qu'il faut que je... Voilà, qu'il faut que j'aille lui faire péter plusieurs systèmes pour qu'elle se calme. Bam. Bam, 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 bam. Tout est slotté de partout. Bon, dans 7 tours ici. Donc, il faut que je tienne. Hein. Niveau armée, je pense pas que j'ai de gros problèmes. C'est ce que je vous ai dit, il y a un gros souci dans ce jeu. Pourquoi vous mettez les points de vie? D'accord, mais c'est pas ça le plus important. C'est la puissance de l'armée. C'est idiot.
Alors maintenant que j'ai augmenté, je peux même rajouter des vaisseaux. Bon, et... non, je peux le faire. Bien sûr que je peux le faire. Hé, les amis, bien sûr que je peux le faire. Je peux faire un truc tout simple. Et j'ai mon portail maintenant. Donc, on va faire ça. Et au prochain tour, je ramène encore des... Petit à petit, je vais ramener... Alors, elle a combien? Elle a 18. Donc, je peux pas fusionner le titan et autre chose. Mais 18, les classes lance, ils vont sortir, mais dans un très long moment. Voilà, 14 tours. Mais bon, je vais avoir quelques petits qui me donnent des points, donc... ça va dégénérer. Voilà, l'argosie est prête. Alors il y a un truc maintenant, à une époque j'ai acheté un piratage spécial, mais je peux même plus m'en servir puisqu'il n'y a plus de pirates, on les a éliminés. Et oui, on peut pas. C'est ou l'un ou l'autre. Alors, 61, elle est pas grosse. Hein. Ah, elle a quand même 11 000. Hein. Ils vont fuir. Je les ai écrabouillés. Eh ben, c'est top. 10 vaisseaux et 1204 ont perdu la vie. Ouais, c'est un bain de sang général. Bon. Voilà, ben, ça recommence. Qu'est-ce que je fous? Ah ben, ça y est, voilà. C'est parti pour le ministère. 27 tours. 27 tours. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec 27 tours? Ah oui, il faut que je fasse ça, hein. Ah! Oh, c'est pas vrai. Bon, lui est arrivé. Ça, s'il y a bien un truc qui me gonfle dans ce jeu, c'est ça. Pourquoi je peux pas associer le titan? Puisqu'ils sont tous les deux sur le... Dans le coin. Mais... Pourquoi il m'attaque ici? Oh, parce que elle passe par là, mais merdou, mon... Bon, je retire ce que j'ai dit. Ça va être tendu. Alors, qu'est-ce que... De toute façon, on s'en fout. Absorption de la coque, absorption du bouclier des vaisseaux. Je sais que... Ah, mais oui. Donc, ils ont plutôt des armes à projectiles, c'est ça? Ouais, ils ont plus d'armes à projectiles. Bon, bah on va tenter le coup, les amis. Je vais pas me replier. Ça va être risqué, mais... Chasseur taille moyenne. 36, 36, 11... ça lui fait 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 vaisseaux. Et moi j'en ai que 2, 4, 6. Mais bon, il y a des petits. Les petits, ils devraient pas faire long feu très longtemps. J'ai un petit avantage, mais... Il est groupé, hein.
Je pense que c'est peut-être la... Ah, je sais pas, mais... Je peux pas utiliser l'absorption des boucliers sur vaisseau, puisqu'on a vu qu'ils ont en majorité des projectiles. Je peux pas utiliser ça, parce que c'est pour les deux flottes, c'est un skill de merde, complètement débile. Et puis ça, je suis désolé, mais... Prends le risque. J'ai jamais vu leur vaisseau, donc... Voilà, on voit qu'ils utilisent des projectiles. Et moi j'ai les deux. Ils utilisent quasiment que des projectiles. Je vais en perdre. Je risque de perdre des vaisseaux. Alors ça va faire match nul, ça, non? Ah merde, je perds le héros. Mais vous pouvez pas lui faire péter son héros à lui? Ça y est. Il y a des dommages, hein, mais... Non. Alors là, c'est top. Victoire décisive, mais j'ai mon héros qui est blessé. Ah non. Les débris. Ah oui, non, mais alors là, ils ont perdu. C'est la défaite totale. Hein. 14 vaisseaux décimés. Vous allez plus m'emmerder, là, à mon avis. Donc, mon petit mastodonte. Il peut revenir ici. Oh la vache! Oh! Il a pris 15 niveaux d'un coup, les amis! Ah! Dites-moi si ça vous est arrivé. Regardez ça. D'un coup, il passe mon niveau 1. 29 d'un coup. Bon, vu que j'en ai pour un moment pour appliquer les 15 niveaux, mais d'ailleurs, je ne sais même pas si je vais avoir assez de points. Enfin, je vais en arrêter là pour aujourd'hui. Et on se dit à la semaine prochaine pour la suite d'Endless Space 2 dans quelques tours. Donc il me reste quelques tours pour la merveille. On va voir si j'arrive à résister et à gagner la partie, avoir la victoire finale sur la merveille ou pas. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Amusez-vous, jouez beaucoup. Prenez soin de vous, portez-vous bien et bientôt. Salut, bye bye.